Et maintenant, place à la passion, à l'érotisme et aux peines de cœur. Les rappeurs du collectif Erotic Toy Records apportent une sensibilité nouvelle à une scène rap impitoyable. Et c'est précisément pour ça que ces 6 membres sont accueillis avec autant d'amour. Ce qu'on a voulu faire avec Erotic Toy, c'est réunir plusieurs artistes qui ont un style un peu moins explicite. Notre musique n'est pas aussi dure, nos contenus sont plus soft. Et on s'autorise à être sentimentaux. On est prêt à tomber le masque. On se déshabille, on ouvre grand nos bras, on enlace les gens. C'est ça qui nous unit, je pense. C'est notre point de vue. On est le groupe le plus sensible du moment. Et surtout, on est le groupe le plus sensible de Brême. Oh, she don't say I'm loving angels instead. Ces beaux sentiments fleurissent le plus souvent dans l'appartement de Florida Juicy, un des membres de Erotic Toy. Le reste du groupe se compose de Skinny Black Boy, Title, Young Mayor Lack, Doubt Boy et J-Pop. Leur musique, ils la produisent dans une cave aménagée en studio. Voici notre lieu de travail. Ça, c'est le sample millionnaire. On se trouve actuellement dans mon studio. Voilà. Avec les gars, on a enregistré beaucoup de titres ici. Par exemple, le premier album de Malik, Volume 1, et Skinny Dipping ont été entièrement réalisés ici. Une grande partie de Title Infinity a été créée ici. Devant un tel déluge de douceur, les puristes du hip-hop se demanderont sans doute s'il n'y a pas un brin d'ironie derrière tout ça. Si c'était de l'ironie, on tournerait ce style et les gens en ridicule. On se moquerait du hip-hop parce qu'on n'aurait aucune sympathie pour la façon dont cette musique fonctionne. Mais justement, on n'en manque pas. Alors on est hyper sérieux. Hyper sérieux. On travaille tellement dur, ce serait vraiment bizarre si on n'était pas sérieux. T'imagines, tout ce boulot juste pour se moquer. Et ça marche. Des dizaines de titres, une tournée à guichet fermé, des invités prestigieux et une vitrine entièrement dédiée chez le disquaire du coin. Là, on voit quelques articles qui viennent de chez nous. Il y a des disques, quelques cassettes, nos stickers. On n'a pas grand-chose encore. Et un serpent. Il y a le trou de la serrure et un tableau, c'est notre fleuve. Et ça, c'est une BD créée par des amis à nous. Daniel, notamment, qui a conçu nos pochettes.
C'est ça qui est génial. Pas besoin de déposer d'annonces ou de contacter qui que ce soit. On a d'excellents graphistes dans notre cercle d'amis. De bons artistes, des vidéastes géniaux, avec lesquels on peut bosser, ça fait partie du truc. Tout se recoupe. Ça reste entre potes. C'est ça, entre potes. Les membres de Erotic Toy Records revendiquent haut et fort leurs origines brémoises, surtout à l'heure de passer à table. Merci. On est au tandoor. C'est ce resto qui a inventé le rollo. Je crois pas qu'on en trouve à Berlin. C'est typiquement brémois. C'est comme un durum, mais cuit au four. Il y a souvent du fromage dedans. C'est une spécialité brémoise et c'est super bon. C'est un resto culte, un classique. Le resto incontournable. Un lieu culte à Brême. Chacun apporte avec lui ses compétences particulières. Je crois que c'est Malik, une fois, qui nous a comparé à One Piece. Chacun possède son super pouvoir. Là, je serais incapable de vous dire qui est doté de quel super pouvoir. Mais on a tous des qualités différentes et on les allie au mieux dans ce groupe. Plus que deux heures avant le concert, le groupe fait son grand retour à Brême lors d'une soirée qui se joue à guichet fermé et en pleine décontraction. Sur scène, ça se voit qu'on est potes. On n'est pas là pour jouer les machos bien virils. On veut des sentiments vrais, de l'émotion. J'ai déjà entendu des gens dire qu'ils avaient pleuré. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Oh,